c'est le grand jour, le jour de la finale. Et le coup d'envoi de cette finale est donné. Il décide d'allonger le jeu. Lacazette reçoit le ballon. Payet. Il va être sanctionné. Se dérobe. Et c'était bien frappé pourtant. Il va au duel. Et voici Matuidi. Oh, Lacazette. Sénégal qui ne compte toujours pas de tir cadré dans ce match. C'est bien ce qu'il fait là. C'est bien fait. Et le centre bien placé. Griezmann. Oh, voici Pogba. Pogba à droite. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il est bien placé. Pogba ! Un autre tir. But, but pour la France ! Et c'est un but très très important. Et si c'était tout simplement le but qui les menait à la gloire ? Oh, l'opportuniste ! Et quelle efficacité ! Ils ouvrent le score, c'est un but qui vaut cher. C'est toujours très important de marquer le premier but, surtout dans une finale. Ça manque un peu de solution. Il allonge. La passe interceptée. Pogba. Oh, Lacazette. Dans la profondeur, sur le côté. Allez, ça peut faire mal. Oh, le duel. Qui est le premier sur ce ballon? Le bon jaillissement. C'est la mi-temps dans cette finale. Que s'est passé vite jusqu'ici? 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. En seconde période, mais bon, ils ont encore largement le temps de rectifier le tir. Le coup d'envoi de cette seconde période. Griezmann. Jallet. C'est bien, la passe à 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux. Ce ballon bien dosé, c'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Idriss Agueil. Niang. Ouverture vers le poteau de corner. Le drapeau ne s'est pas levé. Et ce ballon sur l'aile. Un ballon devant la cage. La France a l'air de se préparer à un véritable bombardement de centre. Oui, c'est vrai. On la frappe.
l'efficacité du marquage est à souligner quand même. Oui, ils font un peu un pressing à la source, histoire d'essayer de provoquer des erreurs. Qu'est-ce que c'est bien joué ça, comme quoi pas besoin de... Et ça repart du rond central, égalité parfaite. Eh bien on savait que ce match serait serré et ça se confirme. Nyang, quelle passe. Ce n'est plus le même match depuis l'égalisation. Le Sénégal pourrait même ne pas s'en contenter. Et ces deux-là ne se lâchent plus. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient et saisir sa chance. Kanté. C'est joué long. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Bien sûr qu'il y a de la fatigue des deux côtés, mais il faut aller chercher au plus profond pour éviter les tirs au but. On attendait un arrêt de jeu, le changement peut maintenant s'effectuer. Et son frais, ça va le faire du bien. Oh, il centre! Il peut frapper! Quel but! Voilà qui peut changer beaucoup de choses. Voilà la situation complètement inversée. De cette taille, ça ne veut dire qu'une chose. Ça sent les longs ballons dans la surface et ce n'est pas pour me déplaire. Oh, Koscielny, longue ouverture en direction du poteau de corner. Là, il a préféré jouer la sécurité. Le dernier coup de poker de l'entraîneur. Il était fini, crevé, carbo, comme vous dites. C'est clair qu'il fallait le faire, ça. Oh, le petit ballon piqué. C'est un corner et peut-être une belle occasion. Peut-être la dernière occasion du match. La tête. Oh, ils sont passés tout près de l'égalisation dans ces dernières secondes. Mais malheureusement, le coup de sifflet final vient de retentir. Quelle superbe performance! Il remporte la Coupe Konami! Et ils s'en souviendront longtemps de cette journée, de ce match, de ce trophée, de cette gloire. Bravo messieurs, bravo pour cette Coupe! Et ils s'en souviendront longtemps de cette journée, de ce match, de ce trophée, de cette gloire. Bravo messieurs, bravo pour cette Coupe!